Selon le ministère de l'Agriculture, la Chine a conditionnellement levé une interdiction d'importation sur les livraisons de certains bœufs américains et canadiens. Selon le ministère, l'assouplissement concerne le bœuf de moins de 30 mois. Le ministère ajoute que le changement est subordonné à des exigences de quarantaine. Similairement, le premier ministre chinois a déclaré jeudi au Canada que la Chine était prête à lever les restrictions sur certains bœufs canadiens. La Chine a interdit l'importation de bœufs américains après la découverte d'un cas de vache folle à Washington en 2003. La consommation de bœuf en Chine a augmenté, atteignant une croissance à deux chiffres annuellement et représentant à présent 15% de la consommation totale de viande dans le pays.